Il demande le mur à 9m15, il le fait reculer de 2 mètres. C'est bien, il a raison. Encore. C'est bien. Très bien. Bravo, monsieur Benatteur. T'en vas sur le côté gauche là-bas avec le Sanson. Il va la s'en sortir. Hey, ils ont du talent, ces Argentins. Talonne pour Diego. Mais ils étaient trois. Oh, oh, superbe talonnade. Valdano, cette fois-ci, il peut centrer. Et bonne, très bonne. Oh, monsieur Benasser qui glisse aussi. Et très bonne sortie de Chilton. Oui, Jussi avait un petit peu. Mille pinceaux, comme on dit. Hein. Oui, oui. De monsieur Benasseur, ah, il était parti, le tennis par terre là, ah, sur l'arbitre. Chez lui, il n'y a pas beaucoup d'herbe. Et puis il y a peut-être moins de bras ici. Oui, oui, oui. Oui, Eh oui. Maradona, corner, ah, il ne peut pas le tirer là, c'est difficile. Ah non, on n'a pas le droit ça. Ah, ça, on n'a pas le droit. Non. On va mettre le piquet. Ou alors c'est le piquet ou c'est le photographe, mais. Ah non, mais il n'a pas le droit d'enlever le piquet. Ça c'est sûr. Il faut mettre. Ouh, il a enlevé le petit drapeau. Faut remettre le petit drapeau. Rouge. Si, allez, vas-y. Il fait tout, Maradona. Il n'est pas marié, mais c'est un petit ange du foyer. Non, pas comme ça. Non, mais. Oh, quelle belle photo à prendre. Eh oui, il faut le remettre. Voilà. Content ? Il a eu l'air de dire à monsieur Ulloa, ah oui, mais faut que les Costa Rica. Alors que, bon, il a réussi quand même à le frapper. Allez, et bonne sortie finalement de Chilton. Oui. Valdano. Oui. Maradona, il était là, non, du coin. De la main. De la main. Ce but. Ah là là, il l'a mis de la main. Oh ah, il n'a pas vu monsieur Benasseur. On va le revoir, mais c'est évident. De la main. C'est clair comme de l'eau de roche, on va le revoir du reste. Oh, monsieur Benasseur. À la sixième minute de la deuxième mi-temps, et Maradona. Et gauche, Maradona. Oh, ben, on l'a vu immédiatement, du reste. C'est évident. Il n'y a que monsieur Benasseur pour ne pas l'avoir vu. Ah oui, il peut tendre son bras gauche. Ah oui, un superbe coup de poing. Il a jeté un coup d'œil, monsieur Benasseur, sur monsieur Dodgett. Ah, il ne sait plus où il allait, là, monsieur Benasseur. Là, 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 quelle heure. Titrage. C'est incroyable. À ce niveau, surtout. C'est quand même un quart de finale de la Coupe du Monde. Hein. Il y a en plus l'arbitre de touche. Ben oui, il y a tout le monde, oui. Il y a l'arbitre de touche et il y a 100 000 spectateurs dans le stade qui voient que c'est une main, sauf les deux principaux intéressés. Et monsieur Benasseur peut, oui, avoir des gestes d'empereur romain. Sans vouloir être méchant, mais enfin, on s'interrogeait notamment avec nos amis de la RAI, la radiodiffusion télévision italienne, qui sont à côté de nous. Est-ce que vous ne croyez pas, Jean-Michel, honnêtement, que dans un monde grand comme il est, il y a autre chose qu'un arbitre tunisien pour diriger un quart de finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Angleterre? Oui, mais on risque de se répéter. La voix de la Tunisie compte autant que la voix de l'Angleterre ou que la voix de l'Argentine, puisque ce sont les Anglais et les Argentins qui sont là, et que M. Avelange... Oui, mais enfin, il a été réélu de toute façon. Ah, il a été réélu pour 4 ans, alors maintenant... Enfin... Giusti, Buruchaga, Enrique... Quelle erreur d'arbitrage à ce niveau. En jeu. Ah oui, d'autant que c'est pas difficile à voir. Hein. C'est pas difficile à voir, tout le monde le voit. Sauf l'arbitre, c'est dommage. L'arbitre de touche... sont quand même deux. Bien placés. Mais ce sont des supporters privilégiés de ce match, on dirait. Hein. Oui. Reed derrière lui, Butler. J'étais surpris que les Anglais ne protestent pas. Ah, ils ont protesté, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. Steven, interception, Batista. C'est vrai que les Anglais, en plus, ne sont pas bons, mais enfin, le problème n'est pas là, le but n'est pas valable, c'est tout. Hein. Buruchaga,